Un midi à Paris, nous décidons de nous offrir une petite douceur, une tarte tatin. Évidemment, nous n'avons pas choisi ce dessert et ce restaurant par hasard. Nous sommes venus pour faire un test. Moi, j'avais envie de sucré, j'ai pas été déçu. Hein. C'est très bien. C'est très sucré. Hein. C'est bon, là, la tatin est bonne. C'est tout mou. Comme vous l'avez fait réchauffer au micro-ondes, la mettez pas au four. Ah non, parce qu'elle était déjà au four. Parce que vous le remettez au four, ça veut dire la tatin là, elle va cramer. Ah ouais. C'est plus une tatin. Mais c'est quoi? C'est un produit frais ou c'est un produit congelé? Non, c'est frais. Tout est frais. Même du couscous. Pourquoi vous me racontez des bêtises? C'est un produit congelé, ça. Non, c'est pas congelé. On parie? On parie. Marche. Regardez, c'est ça votre tarte tatin en fait. Vous voyez? Ben oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est du congelé, ça. Pâtisserie surgelée. Ça, il faut aller à Metro. Ça, vous reconnaissez, ça? Rangis. Ben non, on fait pas ça, non. Mais si, j'ai trouvé dans votre poubelle. Ben non. Je vous assure, j'ai trouvé dans votre poubelle. Ce matin. Ah ouais. Vous savez, sur les poubelles, il y a marqué les adresses des restaurants. Il y a marqué le nom du restaurant. Voilà. Donc on fait des poubelles, puis après on va manger, puis après on teste, quoi. Ben c'est bien, mais elle est bonne. Mais non, elle est pas bonne. Ce restaurateur n'est pas un cas unique. Aujourd'hui en France, des milliers de restaurants servent des surgelés aux clients, à leur insu. En plein cœur de Paris, dans un quartier commerçant, un petit restaurant traditionnel. Il est 13h et en cuisine, c'est le coup de feu. Maintenant, fais-moi ça en vitesse. Allez, dépêche-toi. Tu me prends le basilic là et tu me fais un pesto. Lucien, débarrasse-moi ça. C'est bouillant, tu mets pas les mains. Le chef, c'est Christophe Sens. 42 ans, dont 27 passés dans les cuisines. Il a repris les rênes de ce restaurant l'été dernier. Sur sa carte, des plats traditionnels français comme la solmenière ou le pot-au-feu façon grand-mère. Ici, il n'y a pas de surgelé. Chaque matin, la journée commence de bonne heure avec les livraisons de Rungis. 45 kilos de fruits et légumes frais, livrés chaque jour et réceptionnés par le second cuisine. Nous, on essaie de travailler vraiment avec que du frais. On essaie vraiment que ce soit les légumes, la viande, même les frites avec des patates fraîches. Picard, on ne connaît pas trop, on essaie d'éviter, voilà. C'est le choix du chef, tout doit être fait maison. Résultat, entre 2 et 3 heures d'épluchage chaque matin. Et pour assurer le service du midi, une équipe de 4 cuisiniers et un apprenti s'activent en cuisine. Ah, c'est sûr qu'il y a un coût en plus sur un produit frais, on le transforme. Mais bon, c'est aussi le plaisir du métier qui veut ça aussi. C'est de recevoir son produit brut, de le transformer et puis de l'emmener jusqu'au bout en fin de compte. Prix des plats entre 15 et 25 euros. Le restaurant sert une centaine de repas chaque jour. Et les clients semblent apprécier la volonté du chef de ne servir que des légumes frais. Quand on fait, c'est difficile. Ici, c'est bien. On fait partie d'une génération qui a eu la chance de goûter des légumes frais, pas forcément en conserve. Mes parents cultivent leurs légumes dans leur jardin. Et du coup, j'ai l'habitude de manger des produits frais, bien cuisinés. Et c'est très, très bon. Des clients heureux, des produits frais venus directement du marché, un cuisinier qui prépare lui-même ses plats. Ça peut sembler banal. Et pourtant, ce type de restaurant est devenu de plus en plus rare.